Ils opposent la Syrie, les forces révolutionnaires, Muaz el Hatib hier, le régime syrien. Il a dit qu'ils sont prêts aux négociations. Mon frère, quelle négociation? Est-ce qu'il va écouter leurs négociations? La personne est enragée désormais. Il est devenu donc une parchina, donc a versé le sang. C'est une personne comme le vampire. Et il pense comment il va renverser le sang, quel type de scandale cela va faire. Est-ce que je vais utiliser des armes chimiques, ceci, cela, c'est ce qu'il dit. Et dans les négociations, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire, ah oui, tu as raison, la solution n'est pas celle-ci. La solution est l'événement du Mahdi. Ni eux parlent du Mahdi, ni les autres ne parlent du Mahdi. Et lui l'écrase. Car il ne se conforme pas à ce que dit Allah. Alors, dès qu'il ne se conforme pas à ce que dit Allah, les malheurs viendront tels la pluie. Et tant que les gens diront que nous sommes plus intelligents qu'Allah, ils ne pourront pas être sauvés du malheur. Allah a montré la solution et le chemin du salut. Et que disent-ils? Nous, on n'accepte pas ce modèle. Et l'autre dit, nous également, on n'accepte pas ce que dit Allah, on n'accepte pas ce que dit le prophète. Et nous, on nous réglera entre nous, disent-ils. Et ils se brisent et dévastent les uns les autres. Et ils se dévastent encore une fois et encore une fois. Et en aucun cas, il n'a obtenu de résultat et le sang coule à flot. Et les deux côtés, ce qu'il doit faire, ou sinon qu'un seul côté doit faire, c'est de mettre à l'ordre du jour l'événement du Mahdi. Et celui qui mettra à l'ordre du jour l'événement du Mahdi gagnera obligatoirement. Si la Syrie met à l'ordre du jour l'événement du Mahdi, c'est eux, le gouvernement syrien, qui gagnera. Si les opposants mettent à l'ordre du jour l'événement du Mahdi, c'est eux qui gagneront. Et si tous les deux le mettront à l'heure du jour, donc les deux gagneront. Et sinon, les deux seront vaincus, écrasés. Et ils resteront dans le sang et dans le puits du malheur, donc ils tomberont et jusqu'à leur gorge. Et ceci, je l'avais dit auparavant, je le dis encore, on va encore le dire. Et jusqu'à ce qu'eux comprennent.